Anayo. Anayo. Mon prince, vous êtes réveillé? Il faut que tu m'emmènes à mon père. Je le ferai, mon prince. Mais je dois vous aider à vous habiller d'abord. Parce que le roi a un invité avec lui. Anayo. Oui, mon prince. Onowu n'est pas un invité. Il faut que tu m'amènes à mon père. Prépare-moi, maintenant. Bien, mon prince. Tout de suite. Bonjour, ma reine-mère. Salut, mon prince. Tu viens donc de te réveiller? Oui, mère. Comment s'est passée ta nuit? Bien, mère. Ojo sait vraiment faire sortir toute ta beauté, maman. Tu es très belle, maman. Merci, fils. Où est-ce que tu vas? Je dois voir mon père, sa majesté. Il y a quelque chose de très urgent dont j'aimerais discuter avec lui. Quelque chose d'important? Anayo, allons-y. Eyola Guidje, je te rappelle, d'accord? Ilochi, comment tu vas? Je me sens beaucoup mieux et plus fort. Ah. Le jour est clair. Bien sûr, c'est vrai. Et promettant. Mais je peux sentir un nuage sombre qui tourne autour. Je peux sentir la saison de très grandes douleurs. Mais je ne sais pas quand et pourquoi. Mon prince, mon frère. Ilochi, qu'est-ce que tu racontes? Pour la cause de Dieu, tu as l'air mystérieux. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu dis par un nuage noir qui plane? Anayo, oui, allons-y. Prince. Ilochi, tu n'as pas répondu à ma question. Qu'est-ce que tu veux dire par un nuage noir? Mais votre majesté, avez-vous vu une que vous voulez épouser? C'est exactement ce que je vais te dire. Elle est la fille d'Edouard, le directeur de l'école primaire. Ce serait Tochi, parce que le directeur n'a qu'une seule fille. C'est elle. Je parle d'elle. C'est une bonne fille, ayant le caractère d'une bonne mère. Elle sera une bonne femme de foyer, je crois ça. Ouais. Vous avez toujours les yeux sur les jolies femmes, ça je le sais. Oh non, tu peux répéter ça. Votre Majesté, Prince Ilochi se trouve dehors. Laisse-le entrer. Tout de suite, Majesté. Fils, qu'est-ce qui t'amène dans la salle du trône? Oui, père. Il faut que je te parle. Seul.
quoi que tu aies à dire, vas-y et dis-le, devant Ono. Il est ton oncle. Cela fait de lui ta famille. Le prince le sait déjà. Mais si tu veux que je vous laisse vous deux, ce qui veut dire que ce que tu veux discuter avec Sa Majesté est un secret. Je peux m'en aller. Ça va. Tu peux rester. Père, s'il te plaît, ne le fais pas. La jeune fille que tu planifies d'avoir comme ta femme, s'il te plaît, ne le fais pas. Comment sais-tu même que j'ai l'intention de prendre une autre femme? Je n'ai jamais discuté de ce sujet avec qui que ce soit, sauf avec ton oncle Ono, et c'est tout de suite. Et il a donné son approbation. Inoche, comment as-tu eu connaissance de ce secret? Père, je t'en supplie, s'il te plaît, ne le fais pas. Pas pour quoi que ce soit, mais pour le bien de ce royaume et la maison royale. Je peux voir que tu sors. Oh ouais. Tu n'as pas l'air contente. Qu'y a-t-il? Je te le dirai à ton retour. D'accord, je suis en retard. À mon retour alors. D'accord. Votre Majesté, la reine Janet veut vous voir. Laisse-la entrer. Tout de suite, Majesté. Ono, tu es libre de partir. Très bien, Votre Majesté. Votre Majesté. Tu pars déjà? Ouais. Ça fait déjà un moment qu'il est venu. Je m'excuse. Comment vas-tu, ma chère? Mal. Très mal. Tu m'avais remis un faux chèque. Cela n'est pas vrai. J'étais très humiliée aujourd'hui à la banque. Et c'est pas juste. Tu as le chèque avec toi? Laisse-moi voir. Je suis désolé. J'ai oublié de poser ma signature derrière le chèque. Mais tu aurais dû m'appeler au moment où ils ont rejeté le chèque à la banque. Tu as un stylo? Désolé pour ça. Je voudrais que tu viennes passer la nuit dans mon appartement. D'accord, Votre Majesté. Veuillez m'excuser.
Ce prince, ce jeune prince, qui es-tu? Es-tu un voyant? Mais tu ne ressembles à aucun. C'est vraiment terrible. Tochi, dis-moi la vérité. Toute cette rumeur que j'entends, est-ce que c'est vrai? C'est quoi la rumeur que tu entends? Je ne te comprends pas. C'est vrai que tu veux devenir la troisième femme de Sa Majesté? J'ai pensé que tu m'aimais. Et qu'en est-il de l'amour que nous avons tous les deux? Je pense que nous avons un futur ensemble. S'il te plaît. Pascal, s'il te plaît, je t'aime de tout mon cœur. Mais tu n'es pas encore prêt pour le mariage, n'est-ce pas? Je suis une femme. Je ne fais que prendre de l'âge. Ne vois-tu pas? Tochi, tu sais, je fournis des efforts pour ma propre vie. Tu sais que je fournis des efforts pour être mieux que je suis. S'il te plaît, ne l'accepte pas. Attends-moi, s'il te plaît. Je vais vraiment te traiter comme ma reine. S'il te plaît. Je suis désolée, Pascal. Tu as encore de l'avenir et tu peux t'offrir un empire. Mais moi, je dois diriger comme une reine. Au revoir. Tochi. Ah ah, Tochi, pourquoi es-tu frustré ainsi? Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, n'est-ce pas que c'est Pascal? Pascal ne veut pas me laisser tranquille dans ce village. Suis-je la seule à être dans une relation? Papa, Pascal est derrière mon dos. Il ne me laisse pas respirer. Est-ce pourquoi tu es frustré ainsi? Non mais tu es sérieuse? Pascal, ce petit vaurien. Hein? Je suis celui qui t'a donné la permission d'épouser Iguagumba. Parce que c'est bien le futur que tu mérites pleinement. Papa, s'il te plaît. Pardon. Parle avec Pascal, sinon il aura l'insulte de sa vie. Je vais l'insulter d'une façon qu'il ne l'oubliera jamais dans sa vie. Oh, mais vas-y, insulte Pascal. Hein? Donne-lui l'insulte de sa vie. Bien, 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 bien. Ha! Qu'est-ce que tu veux? Laissez-nous. Non. Ma servante n'ira nulle part. Dis ce qui te dérange. Laisse-nous. Alors dis-moi, pourquoi es-tu là? Je ne t'apprécie pas. Je n'ai jamais apprécié ton mariage avec mon père. Mais maintenant, mais tu es la seule. La seule qui peut sauver cette famille royale. Et mon père.
Là, tu me rends confuse. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Mon père, il est sur le point de prendre notre femme. Quoi? Et pourquoi tu me dis tout ça? J'ai ce sentiment de la saison de malheur qui est sur le point de s'abattre sur ce palais. Et cette frappe sera périlleuse. Ce sera massif. Ce sera massif. Anayo. Bon après-midi, maman. Donc c'est à cette heure que tu reviens depuis que tu t'es sortie de la maison, hein, Jessica? Non, maman, je cherchais comment trouver les bois secs. Que ces bois secs te tuent? C'est quoi tromper qui? Tu viens de la maison d'un homme. Oui. Hein? Non, maman, je ne viens pas de là. Disparais de ma présence, cochonne. Sois la bienvenue, ma fille. Où penses-tu aller avec ces impuretés que tu as portées sur toi? Allez, va prendre ta douche avant que tu n'entres dans ma maison. Disparais de ma présence. Vite! Ugoma, Ne penses-tu pas que tu commences à être trop sévère envers cette petite fille? Elle essaye de fournir des efforts et faire de tout son mieux. Mais toi, tu n'arrives pas à valoriser ses efforts. Bien, Okafo. Si tu ne veux pas que je continue de manger cette nourriture, continue de parler comme tu le fais. Maintenant, tu m'appelles Okafo. N'est-ce pas que tu t'appelles Okafo? Tout ce que je dis, c'est que tu ne dois pas la traiter de cette manière. Elle est aussi ta fille. Elle n'est pas ma fille et elle ne le sera jamais. Jamais! En aucun jour, elle peut être ma fille. Votre Majesté, est-ce vrai que vous planifiez de prendre une troisième femme? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Oh, il l'a fait. Il te l'a dit. Donc c'est vrai? C'est vrai que tu planifies de prendre une troisième femme? Votre Majesté, mais pourquoi? Donc je ne te suffis pas, voilà pourquoi tu cherches à épouser une troisième femme? Pour que nous puissions te partager, c'est ça? Oh, ferme ta gueule! Tu ne sais que parler. À quoi tu t'attends? Lorsque tu l'avais épousé, ne savais-tu pas qu'il était déjà le mari d'une autre personne? Et tu veux qu'il soit fidèle pour toi, qu'il ne prenne pas une autre femme? Tu te trompes. Veux-tu mettre ta bouche hors de mes affaires? Je n'ai pas besoin de ton opinion. Quand j'en aurai besoin, je le ferai savoir. Bien, Jeannette. Je suis le roi. Le roi du royaume antique d'Ameke. Je suis un monarque vivant. Et dans cette optique, j'ai le droit d'épouser
autant de femmes que je veux. Oh, vraiment? Donc c'est tout ce que tu trouves à me dire? Ok, pas de problème. Je peux voir que ce palais est devenu si froid pour nous. Vas-y, trouve-toi une autre et on verra. Où est-ce que tu allais? Es-tu aveugle? J'espère que ceci te fait plaisir. Ça fait 30 ans que je me suis mariée à toi. Je n'ai jamais été contre tes paroles. Même pas m'opposer à toi. Maintenant, regarde ceci. Le majesté roi Agomba, il est en train d'être défié par une servante ordinaire. Tout ça, c'est pourquoi, votre majesté? Allô, est-ce que quelqu'un peut me mettre au courant de ce qui se passe ici? Elochi. La réponse que tu cherches est celle qui va réjouir ton cœur et qui va l'endurcir. Pendant que va tomber la misère sur tout le monde. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Es-tu malade? Comment oses-tu me parler comme ça? La réponse que tu attends, mon fils, doit provenir de ton père. Demande-lui. Retenez bien ce que je dis. Tout le monde Jessica! Jessica! Réveille-toi! Papa! Hey, merci papa! Mange quelque chose! Et puis tu vas à l'intérieur! Tu te reposes! Merci! Est-ce qu'elle a oublié que je lui ai dit qu'elle passera la nuit dans mon appartement? Qui est-ce? Garde! Va, ton majesté! Votre majesté! Envoie l'un de tes éléments d'aller me chercher la reine Jeannette. Tout de suite, votre majesté. Qu'est-ce que tu veux? Dis à la reine que sa majesté veut la voir maintenant et il l'attend à l'instant. Va dire à sa majesté que ma maîtresse sera avec elle, mais pas tout de suite. Elle est dans la douche, elle prend son bain et après cela je vais la prêter et elle viendra chez lui. Parfait alors. J'espère qu'elle reviendra à temps avant que sa majesté ne vienne la chercher. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Tu étais énervée.
C'était à propos de ton frère. Non. Le roi du royaume ancien d'Amégué. Oui, c'est ça. Il m'avait remis un faux chèque. J'étais humiliée aujourd'hui à la banque. Et juste à mon retour, j'ai appris qu'il est sur le point de prendre une troisième épouse. Et tu es devenue jalouse. Tu es jalouse parce qu'il prend une autre femme alors que tu en es une. Quoi? Quoi? Et où est-ce que tu vas? Va dire à la reine Jeannette que si elle me fait attendre une minute de plus, je la punirai selon la loi royale. Ça ne sera pas nécessaire, votre majesté. Laisse-nous. Votre majesté. Je pensais que tu étais en colère contre moi à cause de ce qui s'est passé plus tôt. Aujourd'hui. Oui. J'étais en colère. Et je le suis toujours. Mais cela ne peut m'empêcher d'accomplir mon devoir conjugal, mon mari. Hey! 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 Mon prince, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Tu peux rentrer dans ta chambre. La nuit est encore loin et très sombre. Oh non, mon prince. Je vais rester là pour vous surveiller pendant que vous dormez. Je n'ai plus vraiment sommeil en ce moment. Je t'ordonne. Je suis désolé, mon prince. Mais je vais devoir vous désobéir cette fois. Je vais rester ici pour pouvoir vous surveiller. Je vous en prie.
Ok, c'est bon. Alors, vas-y, mets-toi, au lieu de continuer à me mettre mal à l'aise comme ça. Ok, mon prince. Oncle, mon père le roi a déjà deux épouses. Qu'est-ce qu'il va gagner à prendre d'autres femmes? Mon oncle, je veux vous demander une chose. Est-ce que vous considérez vraiment le fait des maisons polygamiques? Prince Iluchi, tu es encore un enfant? Tu ne vas pas comprendre les voix de nos pères. Ton père, le roi, qui est aussi mon frère, n'est pas n'importe quel roi, mais le roi du royaume ancien d'Amérique. Il est libre de prendre plus de 10 femmes. Je sais, mais s'il te plaît, il faut que tu le sortes de ce chemin. Parce que la pluie... La pluie qui est en train d'arriver sera salée. Tu me rends encore plus confus. J'ai remarqué que tu dis souvent des choses qui ne sont pas encore. Comment arrives-tu à en savoir plus précisément? Qui t'a dit que ton père voulait prendre une autre femme? Je le sais seulement. Dis-moi. Tu es un voyant? Oncle, je ne sais pas de quoi tu me parles. Ok, puisque tu ne sais pas, je suis désolé, n'y a rien que je puisse faire. Ton père est un roi, et les rois font ce qui leur plaît. Arrête. Mon prince, vous les connaissez? Dois-je les inviter à monter? Non. Allons-y. Comme vous voulez. Votre Majesté, elle est sûrement déjà en haut. Pendant que vous attendez, laissez-moi vous offrir quelque chose à boire. Oh, ce ne sera pas nécessaire. As-tu une idée de là où elle est allée, afin que j'envoie mon garde pour aller la rechercher immédiatement? Laisse-moi libre. Attends, s'il te plaît, Dochi. Dochi. Hey. Attends, Dochi. Hey. Comment oses-tu vaurien embarrasser ma fille à cette Attendez. Point? Qui est-il? Tu sais plus où tu es censé te limiter? Qui est-il? Qui es-tu, jeune homme? Je vous salue, Sa Majesté. Tais-toi. Et écoute. Je ne sais pas l'histoire qui est entre toi et Dochi. Et je ne me gêne pas de savoir. Mais je veux que tu suives ce conseil. Reste loin d'elle. Elle n'est pas de ta classe. Ah oui. La prochaine fois que je te verrai, n'importe où, proche d'elle, l'histoire ne sera plus la même. Maintenant, dégage-toi devant moi. Dégage! J'ai compris, Sa Majesté. Et désolé pour l'incident. Ça ne se reproduira plus. Que ça ne se reproduise plus jamais. Regardez-moi ça. Je t'ai donné les gâteaux de 1000 naira. Si tu veux, jette-le je ne sais où et commence à courir derrière les hommes.
Si tu reviens de cette maison avec ces gâteaux, tu sais ce que je peux te faire. Bien sûr que tu me connais. Et maman, je peux trouver quelque chose à manger. J'ai faim. Tu as quoi? Hein? Imbécile! Allez, prends ces gâteaux. Prends les ventes. Fais vite! N'importe quoi. Stupide. Tu as faim. Regarde sa bouche. Idiote. Folle. Imbécile. Tu ne sais rien faire de bon. Tout ce que tu sais faire, c'est courir derrière les hommes. Regarde-la. J'ai faim. J'ai faim. Viens me manger, non? Dépêche-toi avec ces gâteaux. J'essaie d'être une bonne mère pour toi. Après, les gens commenceront à dire que je suis méchante. Je suis ceci, n'importe quoi. Pendant que je ne fais que remplir mon rôle de mère pour t'éduquer. Insensé que tu es. Pascal, les filles sont si méchantes. Elles sont si méchantes et insensibles. Hein, non? Donc, après tout ce que tu as fait pour elle et son père, elle a toujours eu le courage de te traiter de cette façon. Juan Diego, crains les femmes. J'aime cette vie. Je l'aime. Pascal, je sais que tu l'aimes. Mais écoute-moi. Tu dois la laisser aller. Elle est le poison qui te tuera. Ouais, elle ne te mérite pas. Donc tu dois la laisser aller. Laisse-la aller. Nanzo, donc tu penses que c'est facile de la laisser partir? Non, ce n'est pas le cas. Toi, tu ne comprends pas. Pascal, je comprends. Je sais que ce n'est pas facile. Mais laisse-moi comprendre quelque chose. Essaies-tu de te battre avec la majesté à cause d'une fille? Ah, tu sais que c'est une mission suicidaire. Hein, non? Ce n'est pas possible. Si tu es fatigué de la vie, Pascal, va à l'intérieur, prends une corde et va te pendre. Hein, non? Nanso, toi tu ne comprendras pas. Est-ce que tu as déjà aimé avant? Est-ce que tu as déjà aimé avant? Je ne te comprends pas. Laisse-toi, tu ne comprends pas. Dans cette situation, tu parles encore d'amour. Mobo. Igwe. Maintenant que nous venons de fixer la date, informe tes proches parents. Parce que je vais rentrer avec elle. Ce jour, en tant que mon épouse. Igwe, vous n'avez pas à vous inquiéter. Très bien. Ma chère, assure-toi d'utiliser cet argent que je t'ai donné et achète-toi de nouveaux vêtements. Tu dois commencer à t'habiller comme l'épouse de Igwe à Gomba. Tu sais, affiche une certaine royauté dans ton code vestimentaire. Merci, mon d'accord? Merci bien. Au revoir, votre majesté. Je t'en prie. Je ferai exactement ce que vous avez dit. Igwe, je vais partir maintenant. Que votre règne soit là. Amen. Merci. Hey. Qu'est-il passé? Votre Majesté, elle était en train de traverser et je l'avais presque tamponnée. Va voir si elle est blessée. Allez, 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 dépêche-toi, va voir. Jeune fille, pourquoi as-tu fait ça? Tu as envie de mourir? Je suis désolée, je n'ai pas vu. Vas-tu m'enlever toutes ces saletés avant que Sa Majesté ne vienne ici? Jeune fille, que s'est-il passé? Je suis désolée, Votre Majesté. En venant, je n'ai pas vu votre c'est voiture assez passer. Pourquoi une belle jeune fille comme toi prend tête dans la rue alors que tu pourrais être à l'école? Ça va. Cesse de pleurer. Je suis désolé pour hier nuit. Je n'aurais pas dû rire de toi. Tu mérites d'être heureuse. Je suis aussi désolée. Je n'aurais pas dû te manquer du respect de cette façon.
Désolée de t'avoir tourné le dos. Pardonne-moi. Alors le pardon est réciproque. Je ne sais pas pour toi. Moi, je suis libre. Je ne sais pas si tu es occupé ce moment. Non, pas du tout. Je ne fais rien maintenant. Si c'est pas jouer avec mon téléphone. Alors, pourquoi ne pas aller jouer un peu? Parce que maintenant, le palais même un peu ennuyé. Tu as raison. Je me demande ce qui se passe. C'est calme partout. Ok, je viens avec toi. Allons nous divertir un peu. Votre Majesté. Attends. Est-ce que tu... Bien, c'est un bon gars, mais je pense que si tu arrives à le connaître, tu l'aimeras. Il a un bon cœur. Lui aussi ne m'apprécie pas. Il me l'avait dit lui-même. Crois-tu qu'il sait qu'on sort ensemble? Écoute, à ce que je sache, personne. Personne n'en sait rien. Mais attends un peu, es-tu en train de poser cette question à cause de ce qu'il a dit la dernière fois? Oui. Il le disait en me regardant droit dans les yeux. Bien, c'était quelque chose qu'il a dit sur le fait de la colère. Ouais, je suis sûr qu'il n'était pas sérieux. Ouais, il n'en était pas sérieux. Il ne nous a pas vus. Je veux dire, il ne nous a pas vus coucher l'un avec l'autre. Ça va. Essuie tes larmes, cesse de pleurer. Tu vas m'emmener chez ta belle-mère en question. Non, votre majesté. Ne t'inquiète pas pour ça. Tout va bien se passer. Wakwell. Votre majesté. Conduis-moi directement chez elle. Laisse-moi voir cette Jézabel qui soumet cette beauté nubienne à l'esclavage. Tout de suite, majesté. Tout ira bien. Je suis vraiment élitiste.
fortune. Ah. Papa. Ma chère fille. Papa, sérieusement, je suis en train de réfléchir. Viens là, mets-toi. Papa, j'étais en train de penser. Je crois que nous devons récompenser Pascal. Oui, pour tous ces bienfaits qu'il nous a faits dans le passé. Papa, je crois que nous devons les récompenser avec un paiement. Tu vois, au moins avec l'argent qu'Hugues nous avait donné. Donne-lui un peu d'argent, comme une sorte de compensation. Est-ce que tu me comprends? Puisque maintenant nous n'avons plus rien à faire avec lui, nous devons le faire pour qu'il soit un peu calme. Je pense que tu as raison, petite fille. Et dans ce cas, je crois que j'irai le voir demain, très tôt le matin. Ok. Mais ceci doit être la dernière fois que tu parles de lui dans cette maison. Allez, papa. T'inquiète, tu sais comment j'ai hâte de devenir la reine de cette terre. Tu sais comment je souhaitais toujours faire partir de la royauté. Tu veux épouser le roi Goomba. Tu peux le redire oui, encore. Elle a changé mon style. Mais tu dois avoir ça dans ta mémoire. Que tu es pleine de détermination. Et tu dois continuer ainsi. Mais je vais te dire une chose, ma fille. La détermination sans la foi n'est rien. Ah ah, papa, fais-moi confiance. La détermination est la clé. Ah oui. Je suis déterminée, papa. Ah ah. Permettons au roi de changer notre situation. Les gens de ce village me verront. Ils verront bien sûr, qu'il y a un changement. Je crois en toi. C'est toi qui vas changer cet endroit. Ah, nous ne serons plus le même. Promoteur, tu sais que tu es méchant. Hein? Toi et ta fille, vous êtes des sorciers et très méchants. Je me rappelle quand le gouvernement ne t'avait pas payé pendant 18 mois. C'était moi qui m'étais rassuré que toi et ta fille, vous ayez quelque chose à manger. Je me suis débrouillé de toutes les manières, juste pour te nourrir toi et ta fille. Mais écoute ce que tu me dis. Pascal, Pascal, ne rends pas tout ça difficile. Oui, je réalise que tu as fait toutes ces choses pour nous. Mais tu dois graver ça au fond de ta mémoire que ce n'est pas écrit où que ce soit que tu es obligé d'épouser Tochi ma fille. Ce n'est pas gravé quelque part. Mon ami, écoute. Écoute, tu es à la fois méchant et insensible. Hein? Tu es très méchant. Tu es cruel. Non, So, j'apprécierais que tu restes loin de tout ça. Parce que cela ne te concerne en rien du ça tout. Ça me concerne dans tous les domaines. Pascal, mon ami ici, me doit encore de l'argent dont il a utilisé pour vous nourrir, toi et ta famille affamée. Pascal, voici 12 000. Je pense que tu peux l'utiliser pour commencer un business et aller de l'avant. Parce que ma fille est déjà allée de l'avant. Ce n'est pas possible. Promoteur, je ne suis pas assoiffé d'argent et un profiteur comme toi et ta fille. Non, je ne le suis pas. Tu sais quoi? Prends ton argent et va-t'en de chez moi. Sors de chez moi. Mais une chose est vraie. Un jour viendra où le jugement descendra sur toi et ta sorcière et méchante fille. Bien, si tu ne veux pas de l'argent, il n'y a aucun problème. Au moins, tu ne diras pas que je suis méchant parce vas-y, que je t'ai donné vas-y. De l'argent. Je voici ton argent. Quitte ici, hein. Vite. Bouge, non. Bouge. Va-t'en, homme méchant. Pascal, calme-toi. Tu as bien fait pour n'avoir pas accepté l'argent. Ok? Non. Tu as bien fait, frérot. La vie continue. Franchement. Non, pas non ma chérie. Tu aurais dû voir comment il marchait. Comme s'il avait croisé un fantôme. Je
vous dis la vérité. Je ne pouvais même pas c'est dire un mot ce jour-là. Non. Je vous dis. Hey! Venez, venez, venez ici. Venez ici. C'est là votre poste de travail? Non, votre Altesse. Je demande encore, c'est là votre poste de travail? Non, votre Altesse. Donc, vous n'avez rien à faire ce matin. Hein? Puisque vous n'avez rien à faire ce matin, mettez-vous à genoux. À genoux, vite! Puisque vous n'avez rien à faire, moi, je vais vous donner quelque chose à faire. Vous allez rester à genoux ici jusqu'au soir. Compris? Jusqu'au soir. Stupide. Qu'aviez-vous fait pour mériter cette punition? Oui, nous sommes en train de discuter, votre majesté. Juste ça? Oui, votre majesté. Patrick, pourquoi le Lester s'agit-il sous ce soleil? Et comment oses-tu m'appeler par mon prénom? Comment oses-tu? Je suis désolée. Je suis désolée, mon prince. Mais c'est une humaine. Tu ne peux pas les laisser s'agir sous ce soleil toute la journée. C'est pas juste. Pourquoi ne peux-tu donc pas leur donner une autre punition à la place de les laisser sous ces soleils? Bien pour ton information, elles resteront sous ce soleil jusqu'au crépuscule. Hein? Tu m'as bien entendu. Ouais. Bien sûr, bien sûr. T'inquiète pas, je vais bientôt l'envoyer. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que nous avons fait de mal? C'est qui? Est-ce que tu connais ces gens? Soyez la bienvenue, Sa Majesté. Qu'est-ce qui vous amène dans ma salle et pauvre maison? C'est moi qui devrais venir, hein, au lieu de venir comme ça, hein, et puis brusquement. Est-ce ma fille a commis un crime? Qui a porté la honte à notre royaume, Ameke, votre majesté? Je n'ai pas si à vous dire, vous deux, pour votre insensibilité à son égard. Mais je veux que ce soit très clair. Je ne veux plus jamais la voir se traîner dans la rue. Jamais! Sinon, je vous traiterai sévèrement tous les deux. Ok, Sa Majesté. Et je promets que ça ne se reproduira plus. S'il vous plaît. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Pense-y et fais-moi un retour. Je vais envoyer deux de mes servants qui viendront te chercher dans 2 jours. Je crois que jusque-là, tu aurais dû y réfléchir sérieusement. Merci, Votre Majesté. Thank you.
colère commence à parler. Parle immédiatement. Non. Avant que je ne t'étrangle avec mes mains. Allez, commence à parler. Parle. Qu'est-ce que tu as raconté au roi? Je n'ai rien dit au roi. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit au roi. Je n'ai rien dit. On verra. On verra, moi et toi. Qui a donné cette punition aux servantes? Ma reine, c'est le prince Patrick. Il les a trouvées en train de discuter. Et alors? Maintenant, allez dans votre poste de travail. Merci, ma reine. Majesté. Qu'est-ce que c'est? Oh, prenez-la. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Emmenez-la à l'intérieur. Oh mon Dieu! Patrick, comment peux-tu être très méchant? Pourquoi peux-tu laisser ces servantes sous ces soleils ardents? Veux-tu les tuer? Mère, ne me dis pas que tu les as libérées. Si je dois. Et au moment où je te parle maintenant, Shoma est dans l'inconscience, après avoir resté sous le soleil. J'espère que rien ne va lui arriver. Mère, comment pourrais-tu? Non, comment pourrais-tu le libérer? Mère, pour la cause de Dieu, je suis l'héritier prétendant du trône de ce royaume. Es-tu en train de me dire que je Patrick, écoute-toi très bien. Es-tu si méchant? Je suis en train de te dire qu'une des servantes de sa vie est en danger et cela ne te fait rien du tout, vraiment. Ça m'importe peu, même si elle meurt. Tu n'aurais pas dû la libérer. Tu n'aurais pas dû le faire. Mon Dieu. Pourquoi est-ce que mon fils est très méchant? Votre Majesté, vous avez besoin de vous rafraîchir. Non, ça va. Vous avez besoin d'une boisson froide pour vous calmer. Je t'ai dit que ça va bien. Est-ce que je peux vous apporter du jus? Tochi, je veux juste te dire que nous devons juste chercher un moyen pour faire comprendre Patrick. C'est ce que j'ai toujours cherché à faire pour toi et ton père. Le laisser maintenant, ça ne t'ira pas bien. Hmm? Écoute, je sais que Pascal m'a beaucoup aidé, que ce soit moi ou mon père, je le sais. Mais réfléchissons un peu. Pascal a pris ma virginité. Je le paye pour ça. Nous nous réjouissons ensemble. De quoi parles-tu? Tochi, le sexe n'englobe pas tout. Si c'est réellement ce qu'il voulait de toi, il allait te laisser depuis très longtemps. Mais ce jeune homme t'aime réellement. Et je suis sûre, si tu vis avec lui, tu rendras heureuse. Il me rendra heureuse, tu dis? Oui. J'en serai de bonheur. Oui. C'est de bonheur que tu parles. Attends-moi. J'arrive. Voici son exemple.
C'est ça qu'on appelle le bonheur. Être heureuse. Attends un instant. Qu'est-ce que tu penses de cet habit? Tochi, regarde ça bien. Où est-ce que tu as eu cet habit très beau? Tu aimes ça? Oui. C'est magnifique, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mm-hmm. C'est bien comme tu l'apprécies. Le roi Agumba m'a donné de l'argent pour le shopping. Et c'est ce que j'ai acheté avec l'argent qu'il m'a donné. Hmm? Alors retiens que c'est ça qu'on appelle le bonheur. Tochi, il y a des différences. Mm. Et tu le sais bien. Allez, ma sœur. L'argent rend la vie heureuse. Ne te laisse pas tromper par ces vauriens de villageois que tu vois. C'est ça, profiter de la vie. Tochi. Ne veux-tu pas que je devienne la reine de ces terres? Oh, tu n'aimes pas la royauté. Allez, ma sœur. Ouais, qui est là? Entre. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu es là? Dis-le. Dis-le et retourne. Désolée à propos de ça. As-tu appris qu'elle est une des servantes et t'es... Votre Altesse. Bonjour, Sa Majesté. Qu'est-ce que je t'ai dit à propos de Tochi? Qu'est-ce que je t'ai dit à propos de Tochi? Je suis désolé, Sa Majesté. Désolé. Hé, hey, ramène-le en arrière et donne-le 40 coups de fouet royal. Toute Sa Majesté, je suis désolé. Ramène-le. Je suis désolé, Sa Majesté. Avance. J'ai dit ramène-le. Je suis désolé, vas-y, Sa Majesté. Avance. Pardon. Ah. 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 Pardon. Pardon. Ah. S'il te plaît. Ah. 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 S'il te plaît. Ah. 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 Pardon. S'il te plaît. Ah. 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 S'il te plaît, maman, je peux te rejoindre. J'ai très faim. Tu es folle. Quand je te disais qu'il n'y avait pas de la nourriture dans cette maison pour toi, tu pensais que j'ai blagué. Hein?
Tu t'attends à ce que j'utilise mes économies pour nourrir ton sale corps. Ça ne se fera jamais dans cette maison. Jamais. S'il te plaît, maman, je t'en supplie, je veux. Jessica, comme c'est évident que tu sais que ton père et ta belle-mère ne veulent pas de toi, pourquoi ne pas m'épouser et diriger ce royaume avec moi? M'épouser sera un avantage majeur pour toi. Tu deviendras ma reine et tu seras servie avec tout ce dont tu as besoin. En tant que ma reine, tu as la chance d'avoir des choses qui sont royales, que d'autres personnes n'auront pas la chance d'avoir. Tout ce que tu as à faire est de dire oui. Après-midi, monsieur. Salut. Vous êtes venu voir mon mari? Non. Je suis là pour la voir. Es-tu Jessica? Viens. Sa Majesté, le roi Agumba, premier du royaume d'Ameke, m'a envoyé pour te demander si tu as considéré sa proposition. Dis à votre majesté le roi que j'ai dit oui à sa proposition. Je vais l'épouser et devenir la reine de cette terre. Merci de faire preuve de sagesse. Je vais retourner immédiatement avec cette bonne nouvelle à notre roi. Les servantes seront là pour t'habiller. Apprête-toi. Partons. Honoré, votre majesté. J'ai pensé récemment. Je pense que je vais les épouser toutes les deux. Je vais dire Jessica et Tochi le même jour. Je vais épouser toutes les deux le même jour. Vous êtes le roi et vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Donnez juste l'ordre, ce sera exécuté. Mais je ne veux pas de mariage somptueux. Je vais le faire de manière traditionnelle. Mon prince, bonjour votre majesté. Salut. Mes salutations votre majesté. Salut fiston. L'antilope était prête à manger sa progéniture. Parce qu'il y avait un chasseur. Et il est parti. La progéniture tourne et demande. Tu ne peux pas discuter avec les chasseurs. Et il est parti. Père, c'est comme ça que l'antilope est restée sans son petit. S'il te plaît, père, ne l'amène pas. Ilochi, si tu n'étais pas mon fils, je te ferais fouetter. Je te ferais fouetter correctement. Tu n'as plus de respect pour moi. Je suis désolé, père. Ferme-la et quitte devant moi. Je ne veux plus te voir dans cette pièce, à moins que je te convoque. En arrière. Votre majesté. Emmène-le. Comme je l'ai dit, ne viens plus jamais dans cette pièce. Si je le vois à nouveau ici, je te ferai décapiter. Emmène-le.
Quelle arrogance! Quelle audace! Votre Majesté, qui est l'antilope et qui est le chasseur? Pourquoi personne ne veut m'écouter? Mon prince, je ne sais pas ce que vous avez entendu. Mais la vérité, c'est que vous ne pouvez dire au roi quoi faire. Leurs décisions viennent très souvent des dieux. Moi, je n'ai rien entendu. Je l'ai vu venir. Et cela venait avec vitesse. Là, je suis confus. Qu'est-ce qui venait, mon prince? Qu'est-ce qui venait avec vitesse? Anayo, la mort arrive. Mais... Hé, mon prince! Votre Majesté, le lion est le bienfaiteur du royaume d'Améke. Oh non! Je vous présente les jolies demoiselles que vous avez demandées. Tochi Edouard, l'une des jolies demoiselles de ces terres. Votre Majesté. Bienvenue. Merci. Et Jessica Okafor, l'une des rares beautés de ces terres. Merci. Bienvenue. Merci beaucoup, Ono. Mais bon, vous êtes tous les bienvenus chez Merci, moi. Merci, Igwe. Permettez-moi de vous présenter ma famille, mon noble famille. Juste à côté de moi, c'est l'amour de ma vie. Ma femme, la reine de ce grand royaume. Et elle s'appelle Sarah. Waouh, lolo. À côté d'elle, c'est ma seconde épouse. Ma belle reine, Jeannette. Je manque à dire. Et après elle, c'est mon premier fils. Le prince héritier de ce grand royaume. Odogu. Et le dernier, mais non le moindre. Mon Benjamin, prince Elochi. Mon fils. Une fois encore, soyez les bienvenus. Sa Majesté. Sa Majesté. Merci. Merci. S'il vous plaît, entrons à l'intérieur pour célébrer cette union. Edith,
prince. Notre prince. Prince Patrick, as-tu déjà été vraiment sûr de quelque chose? Mais personne ne veut te croire. Hé, mon prince! Elle est là. Je peux sentir sa présence. Personne ne peut la voir. Et personne ne sait qu'est-ce qui est sur le point d'arriver prochainement. Tu sais que le père n'est pas content de ton action, n'est-ce pas? Oui, je sais. Tu peux aller rester avec eux. J'aimerais rester seul. Anayo, mon prince, toi aussi, je veux rester seul. Depuis quand cette folie a commencé? Non, pour la cause de Dieu, depuis quand mon frère a commencé à perdre la tête? Parce qu'il est tout à fait clair que tout ce qu'il dit n'a pas de sens. Il a toujours été comme ça. Prince Ilochi est un enfant spécial. Il voit les choses avant même qu'elles n'arrivent. Anayo. Mon prince. Es-tu de mes ennemis et tu te réfères de mon frère prince du royaume ancien d'Amérique comme le plus spécial? Pas du tout, mon prince. Loin de là. J'ai toujours été avec le prince depuis qu'il était encore enfant. Et je suis alors le mieux placé pour dire qu'il est spécial. Mon prince, je vous en prie, pensez à ceci. C'est bien probable qu'ils disent la vérité. Surveille-le de près. Et rassure-toi que ces absurdités qu'il raconte ne sortent pas du palais. Est-ce que c'est compris? Bien sûr, mon prince. S'il te plaît, Naï, peux-tu m'aider à parler avec Jessica? S'il te plaît, parle avec elle de ma part. Ugoma, maintenant tu te sens culpabilisé de ce que tu as fait à cette jeune fille innocente. Je me rappelle de t'avoir demandé ton attitude vis-à-vis de cette fille. Mais qu'est-ce que tu avais fait? Je ne sais pas ce qui m'animait. Je sais juste de l'aider pour qu'elle ne puisse pas se méconduire. Bikonae, aide-moi s'il te plaît. Tu vas chercher à lui parler toi-même. Je sais que cette fille n'a rien fait du tout de mal. Rien du tout. Elle faisait de son mieux, juste pour te rendre heureuse, même si tu l'as tapée. Ugoma, je suis impatient de voir comment cette fille va te traiter maintenant. Oui,
Tu peux partir et la chercher toi-même. Eh oh, Timo, qu'est-ce que j'ai au foutu? Je me rassurais juste qu'il ait un bon comportement. Regarde-moi. Eh oh. Il n'y a rien. Je veux bien, maman. Juste que aucun de vous n'a pu voir ce que moi j'ai vu. Mon fils, je sais que tu n'as pas apprécié le fils que ton père a pris pour ses femmes. C'est ce qui te dérange. Mais nous n'avons pas de choix, mon fils. Nous devons les accepter. Et tu sais très bien que ton père reste toujours le roi de ce royaume. Et il a plein droit d'avoir autant de femmes qu'il le désire. Je t'ai entendu, mère. J'irai lui dire que je suis désolé. Merci, mon fils. Bonne nuit, mon fils. Ça va, maman. Elle te plaît? J'avais vu comment tu la regardais. Penses-tu qu'elle est plus jolie que moi? Je ne sais pas ce que tu racontes. Tu sais très bien de quoi je parle. Ne fais rien de stupide, parce que mes yeux sont sur toi. Et où est-ce que tu vas? Dans ma chambre. Reste avec moi. Père sera occupé cette nuit. Passe la nuit avec moi. Je serai dans ma chambre.
Bonjour, Majesté. Bonjour, Père. Ah, fils, je suis désolé. Bonjour. Je pense que tu as passé une nuit paisible. Oui, Père. Tu as l'air inquiet. Père! Père! Père, tu ferais mieux d'aller dehors et parler à ta femme là. Oh ouais! Va là-bas et parle-lui. Si ce n'est pas le fait que la fille là était ta femme, je te jure, j'allais la battre correctement. Oh ouais! Calme-toi, fils. Et dis-moi ce qui s'est passé. Père, il n'y a absolument rien à te dire. Absolument rien. Tu ferais mieux d'aller là-bas et lui parler. S'il n'y a rien à dire, alors qu'est-ce que je dois lui dire pour qu'elle ne recommence pas? Sa Majesté, comment tu peux avoir un fils aussi impoli qui ne sait pas respecter sa mère? Bonjour, Sa Majesté. Joie? Je t'ai laissé dehors là-bas. Comment est-ce que tu es encore entré ici? Prince Patrick, c'est vrai, tu es le prince couronné. Tu dois savoir qu'aussi longtemps que le roi est en vie, ton autorité est limitée. Ainsi, tu dois savoir donner du respect à qui de droit. Père, tu feras mieux de parler à cette fille. Parle à cette fille, père. Parce que ça arrive déjà à mon cou. Cette fille en question est ma femme. Elle mérite un certain niveau de respect de ta part. Ne plus jamais faire référence à elle comme cette fille. Maintenant, quitte devant moi. Mais père, dégage-toi devant moi. Dégage! Votre Majesté. Oui, c'est elle. Ma reine, attendez de le voir votre rival. Qu'est-ce que tu racontes? Un cafard restera toujours un cafard. La poubelle, c'est le lieu auquel il appartient. C'est ça la réalité. Bonjour. Qui sait si elle a déjà passé nuit dans une maison proprement dite de toute sa vie? Folle. Pascal, ça me rappelle. Es-tu au courant que Tochi a finalement emménagé dans le palais? En fait, elle y a emménagé hier. Je sais qu'elle est déjà partie. Mais cela ne me concerne plus. Alors, dans ce cas, elle est une histoire du passé et elle fera mieux d'y rester. Je sais qu'il est dans ton passé maintenant, mais j'ai pas aimé la façon dont son père t'a traité. Non, je n'ai pas du tout aimé la façon dont ils t'ont traité. Je ne l'ai pas aimé. Nanso, mon ami. La meilleure des choses à faire dans cette vie, c'est de réussir et d'être riche. Une fois que tu réussis, tous ceux qui t'avaient insulté viendront définitivement s'excuser. Tous ceux qui t'avaient posé la question « Qui es-tu ?» viendront définitivement te poser encore la question « Comment vas-tu » vas? Je t'ai dit, mon frère, c'est ce qui va arriver. Laisse-moi fermer et puis on va partir. L'argent met fin aux insultes. Tout ça finira. Allons-y, mon frère, allons-y. Chai,
J'ai pitié de lui. Ce que Tochi lui a fait n'est pas du tout bon. Et qu'est-ce qui n'est pas bien, Ekutos? Dis-moi, qu'est-ce qui n'est pas bien? Oh, attends un instant. Essaies-tu de dire que Tochi devait rejeter la proposition du roi à cause de qui? À cause de lui? Attends, attends. Ils se sont promis l'amour. Alors qu'est-ce qui est arrivé au futur qu'ils planifient ensemble? Une autre personne va jouer de cette planification. C'est ça la vie. Laisse-moi t'expliquer quelque chose que tu ne comprends pas bien. L'amour est une bonne chose. Elle est vraiment bonne. Mais l'amour à lui seul sans argent, Mbanono ma belle, c'est un crime. Oui, je l'ai dit, c'est un crime. Mais voyez-moi ces deux garçons. Ils feront mieux d'aller chercher de l'argent. Comme ça, les filles viendront d'elles-mêmes. Écoute, ma belle, ne le prends pas mal, tel que tu me vois. Je ne me marierai jamais, jamais, jamais à un homme pauvre. Je te l'ai dit. Ruth! Ruth! Laisse-moi te poser une question. Comme tu ne peux pas épouser un homme pauvre, alors qui vont épouser tes trois pauvres frères? Bien, 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 bien. Amaka, j'espère que tu n'essayes pas de m'insulter. N'essaye surtout pas de gâcher ma journée ce matin. N'essaye pas de m'insulter, c'est quoi ça? T'insulter? Comment? Comme on ne peut pas épouser pour l'amour, mais pour l'argent. Alors qui vont épouser tes pauvres trois frères? Attends, tu es vraiment stupide. Es-tu malade? Qu'est-ce qu'il y a avec moi, non? Attends un instant, es-tu stupide? Comment oses-tu traiter mes frères de pauvres? Je ne dis que la vérité. Es-tu folle? N'essaie plus jamais de dire ça. Tu m'as entendu? N'essaie plus jamais de me provoquer. Tu me déranges. Ne m'insulte pas parce que je me suis lié d'amitié avec toi. Votre Majesté, pourquoi avais-tu permis ce genre de choses, hein? Pourquoi? De quelles choses parles-tu? Pour l'amour de Dieu, Votre Majesté, Jessica a giflé le prince Patrick et tu n'as rien dit. Pourquoi? Je sais qu'elle est ta femme, je n'en doute pas. Mais en âge, Patrick est plus grand. Alors, elle doit le respecter. Bonjour, Sa Majesté le roi. Bonjour, Sa Majesté la reine. Tu viens de te réveiller? Désolée, Sa Majesté. J'étais emportée par le sommeil. C'est pourquoi, dès que je me suis réveillée, je me suis apprêtée pour Sa Majesté. Désolée, encore une fois. S'il te plaît, mon mari, essaye de faire quelque chose à propos. N'emmène pas l'inimitié et la division dans ce palais. Jessica, pourquoi es-tu en retard? Oh, je suis en retard. Je ne savais pas. Je suis là maintenant, dites-moi, qu'est-ce que c'est? Sérieux? Bien. Je vais vous briefer. Ce palais a une bonne réputation et de la dignité. Nous devons tous travailler ensemble comme un seul corps. Nous devons tous faire la fierté de Sa Majesté, sans aucun doute. Et ce qui est prioritaire, c'est de nous rassurer que Sa Majesté est dans la paix dans ce palais, à tout moment. Et une des choses que nous devions faire pour atteindre cela, c'est de vivre dans la paix, la joie et l'amour. Et sans oublier, se respecter mutuellement. J'espère que je me suis fait comprendre. Ifoma, Votre Majesté, Tochi, Ifoma que tu vois, sera ta servante. Traite-la comme une sœur et elle va bien te servir. Bien sûr que oui, Sa Majesté. C'est bien compris. Ogé. Votre Majesté. Jessica. Ogé ici. Pas besoin d'avoir une quelconque servante. En ce qui me concerne, il y a beaucoup de servants qui nous servent déjà dans ces palais, même ceux qui vous sont privés. Pourquoi pas les libérer, les mettre au service de tout le monde au besoin? Quelle insolence! Comment oses-tu répondre à la reine comme ça? Fils, je ne t'ai pas appelé. Pourquoi tu ne nous laisses pas, nous, tes mères, discuter comme de grandes personnes sans pour autant que tu n'interviennes?
Écoutez, mon amour. Appelle-moi encore comme ça et je te réduirai en néant. Je crois que la réunion est levée. Arrête d'être une suiveuse. Oh Seigneur, j'y suis en train de rêver. Ah, on aura tout vu dans ces palais. Bien le bonjour, Dochi. Ma reine, bonjour. Bonjour, mon prince. Comment tu as passé la nuit? S'il te plaît, je suis désolé pour ce qui s'est passé hier. Ne le prends pas personnellement, s'il te plaît. Je suis désolé. C'est bon, mon prince. Je réagirai de la même façon si mon père épousait une autre femme pendant que ma mère est forte et en pleine santé. Merci pour ta compréhension. Anayo, mon prince, amène-moi loin d'ici. Ok, mon prince. Comment il a su que je venais et que j'étais derrière lui? Je veux dire, comment a-t-il su que j'étais là? C'est un mystère. Nous cherchons tous à comprendre ce qui se passe ici. Mystère? Oui. Essayes-tu de me faire croire que le roi n'avait rien dit? Quand tu lui avais raconté ce que cette petite souris t'avait fait? Je garde mon calme. Mais une chose est certaine. Je vais rendre sa demeure dans ce palais insupportable. Ouais. Pourquoi? Mais pourquoi Sa Majesté soutient de tels actes provenant de cette petite fille? Elle n'a fait que 2 jours dans ce palais et elle agit comme ça. Qu'est-ce qui va se passer quand elle fera beaucoup de jours ici? Si malheureusement elle fait un enfant avec Sa Majesté et que cet enfant soit un garçon, par-dessus tout. Cela veut dire qu'elle va tous nous jeter hors de ces palais royaux. Oh ouais. Non, je n'accepterai pas cela. Je dois tout de suite aller voir Sa Majesté et lui parler de ses problèmes. Je ne veux pas avaler de bêtises provenant de cette petite fille. Écoute, si mon père ne m'a pas écouté en tant que l'héritier prétendant, qu'est-ce qui t'a donné l'assurance qu'il t'écouterait? Tu es son fils. Et il s'attend à ce que tu puisses prendre tes responsabilités. Mais je suis sa femme. Et il doit m'aider. Excuse-moi. Et toi? Mon prince. Quand est-ce que tu vas enlever cette absurdité de ta tête? Votre Majesté, ça c'est très bien. Vous savez que c'est toujours bien pour les jours de pluie. Mais il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. C'est toujours comme ça que Sa Majesté a l'habitude de gâter ses jeunes filles. Et voilà pourquoi elles sont toujours très jolies. Vous êtes les bienvenus dans cette famille royale. Merci. Et nous croyons que vous n'allez pas servir Sa Majesté seule, mais aussi le royaume tout entier. Là, c'est sûr. Juste comme Sa Majesté la reine ici, elle est toujours gentille envers le peuple du royaume, le roi
et aussi le conseil royal. Je promets que je ferai de mon mieux pour vous rendre, vous et ce royaume, fiers. Tu as été réellement bien élevée. Merci, Uno. Votre Altesse. Comment tu vas? Je vais bien. Je n'ai jamais réalisé que tu es si belle. As-tu un petit ami? Votre Altesse, je ne peux pas parler de ça. Oh, je vois. C'est à cause de ta maîtresse Jeannette, n'est-ce pas? Je vois. Ouais, mais tu vois, Jeannette et moi ne sommes pas destinés à être ensemble. Parce qu'elle est mariée à mon père, le roi. Ça, c'est absolument différent de ton cas. Tu me plais. Maintenant, tu comprends la raison pour laquelle j'ai posé la question. Votre Altesse, elle ne me pardonnera jamais si elle apprend ceci. Elle a toujours été gentille avec moi et je ne vais pas la blesser. Je vous en prie. Bien. Je ne sais pas pour toi, mais je veux faire de toi ma reine quand je monterai sur le trône. Tu me plais. Tu sais là où me trouver. Pensez-y. Comme la tradition nous demande, je ferai de mon mieux de leur apprendre les cultures royales. Évidemment, je crois que je peux me débrouiller seule. Je n'ai pas besoin de qui que ce soit pour me babysitter. Tu t'en sortiras bien quand tu commenceras à faire attention aux choses que tu dises dans ce palais. Ce palais n'est pas fait pour les comportements grossiers. La prochaine fois que tu répètes un tel comportement peu orthodoxe, je te punirai sévèrement. Votre Majesté, s'il vous plaît, pardonnez ses manières. Elle n'a pas encore compris ce que ça veut dire d'être reine. Oh oui, on a eu raison, Votre Majesté. S'il vous plaît, pardonnez-la. Dans ce cas, Reine Sarah. Votre Majesté. Il est de ta responsabilité de t'assurer qu'elle est consciente de tous les aspects de la royauté dans ce palais. Il ne lui suffit pas de revêtir l'habit royal. Lorsqu'elle ne peut pas faire preuve d'un quelconque décorum dans son comportement ou dans ses relations avec les autres personnes du palais. Assez, c'est assez. Est-ce que tu comprends? Oui, Sa Majesté. Votre Majesté, s'il vous plaît, pardonne-lui, s'il te plaît. Mais attendez, oh. Là, ce n'était pas la fille d'Okafor. C'est elle, oh. Celle que sa fille femme a laissée à son bas âge. Je le savais. Cette petite fille timide et naïve, vous avez vu comment elle parlait avec arrogance devant le roi Agumba. Oh, dire n'importe quoi et aussi avec une attitude bizarre. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, pour mieux connaître le vrai comportement d'une personne, ce n'est pas quand cette personne est pauvre, mais quand elle est riche. Vraiment, la pauvreté cache certaines habitudes. Ouais, tu as raison. Parce que ça m'étonne. Lorsque j'étais allé voir ses parents, j'étais revenu et j'ai demandé à Sa Majesté, est-ce que c'est cette timide fille que vous voulez épouser? Et il a dit oui. Oui, je sais quel genre d'homme est le roi Agumba. Il ne va pas la laisser dire n'importe quoi. Avant qu'il en empêche lui-même. Bam. Ah. Hey, Ichi, on va se voir, non? Thank you.
Nanso, je pense que je dois aller en ville pour trouver quelque chose à faire. Car la manière dont les choses évoluent maintenant, je dois faire quelque chose. Tu en as vraiment besoin. Un changement d'environnement te fera beaucoup de bien. Mais où penses-tu aller? Bon, je crois que je peux aller à Lagos. Tu sais, j'ai plusieurs personnes avec qui vivre. Mais pour le moment, je dois d'abord chercher de l'argent et puis trouver mon propre appartement. D'accord, c'est bon. Quand tu te seras établi, je viendrai te rejoindre. Ça, c'est très bien réfléchi. Non. Mais je dois d'abord aller en premier. D'accord alors, d'accord. Au revoir. Ça, c'est bien. Ouais, qui est là? Oh, regarde-toi. Mon prince. Viens m'embrasser. comment tu vas? Je vais bien. Mon prince. Ouais. Aujourd'hui, dans la journée, étiez-vous sérieux avec vos propos ou soit c'est seulement mon corps qui vous intéresse? Je suis le prince prétendant du royaume d'Amérique. Mes paroles sont mon lien. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Laisse-moi prendre soin de toi. Mais je peur. Je ne veux pas que ma maîtresse les sache qu'elle se fâche contre moi. Alors pourquoi ne pas le garder secret? Secret entre toi et moi. Oh ouais. Jusqu'à ce que je devienne roi. Et quand je deviens roi, nous ferons connaître au monde entier notre relation. Et après ça, je ferai de toi ma reine. Ouais, ma reine. Ça, c'est mon amour. Viens un peu. Oh, ma reine. Lève-toi. Hein? N'as-tu plus peur que ta maîtresse te voie ici? Hein? Ça va dire que quelqu'un peut voir. Vite. Habille-toi. Dépêche-toi. Oui? C'est vrai ce que tu racontes? Ils paraissent être proches. Je les ai vus hier et encore aujourd'hui. Mais les voilà encore. N'est-ce pas qu'elle est la deuxième femme de Sa Majesté le Roi? Oui. Bien sûr, ma reine. Nous savons tous que ils couchent ensemble avec Janet.
Elle a l'intention d'épouser le prince Patrick quand il sera roi. Je vois. Ma reine, et que veux-tu de la famille royale? Mon prince, pourquoi cette question? N'est-ce pas que je suis la femme de ton père? Cela fait de nous une famille. Je ne t'apprécie pas. Comme je serais content si tu quittes ce palais aussitôt que tu peux. Bien. Je ne suis pas ici pour les gens d'enfants comme toi, estropiés, incapables de se prendre en charge et de s'occuper de ses affaires. Oh, ma reine, vous devriez arrêter ça. Vous ne devriez pas vous adresser au prince d'une telle manière. Ah, tu veux mourir? Comment oses-tu? Toi, un pauvre n'a rien. Tu ouvres ta bouche pour me dire ce que je dois faire. Agenouille-toi maintenant, demande-moi pardon et tu auras miséricorde. Anayo, mon prince, sors-moi d'ici, s'il te plaît. Arrête-toi là! Salut, Sa Majesté. Que s'est-il passé, mon homme? Pourquoi pleures-tu? Dis-moi ce qui s'est passé. Sa Majesté, je suis désolée. Je souhaite rentrer dans la maison de mon père puisque je ne suis pas la bienvenue ici. Dis-moi, qui parmi mes enfants te crée des soucis? Dis-le-moi afin que je puisse l'ostraciser. C'est Anayo, le servant du prince Ilochi. Quoi? Anayo? Garde! Anayo, mon prince, je suis désolé. Désolé pourquoi, mon prince? Bonjour, mon prince. Sa Majesté désire te voir. Qu'est-ce que tu as dit à ma femme? Votre Altesse, je suis désolé. Je ne voulais pas l'offenser. Tu es un fou. En fait, tu es un fou de maison. Dites aux gardes de lui donner 40 coups de fouet royal. Tout de suite, Majesté. Ramène-le. Ça va, papa? Merci, ma chère fille. Dieu te bénisse. Il sait. Afin que tu continues de recevoir plus de faveurs. Il sait. Jai. Hein, papa, juste comme je l'avais dit avant, n'attends pas papa de venir au palais pour faire entendre ta requête. Tout ce dont tu as besoin, c'est de les lister sur un papier. Tout ce que tu veux, juste écris-les. Fais-le-moi connaître et je te les donnerai. Hein? Oui. N'attends pas toujours que je vienne te demander ici ce que tu veux. N'oublie pas que ta fille est devenue Sa Majesté la Reine. En tout cas. D'ailleurs, en ce qui me concerne, tu vois cette maison. Je vais le mettre par terre et te construire une demeure. Hein? Oui. Il y a une différence entre une maison et une demeure. Ok? Tu veux dire que tu veux démolir cette maison? Je veux le faire écrouler. Cette maison ne me convient plus. Nous sommes maintenant de la royauté, papa.
Pendant les travaux, tu pourras aller dans ta maison familiale. Puisque je dois transformer cet endroit. Hein? Oui, wow. Ce n'est pas pour rien que ta fille est au palais. Je suis une reine, papa. Ne le comprends-tu pas? Hein? En tout cas, je vois ça. Bien. Merci beaucoup. D'accord. Mm-hmm. Ma chère fille, comme tu viens de le dire, je viendrai au palais quand j'aurai besoin de quoi que ce soit. Hein? Écris-le. Envoie-le par mes servants. Ils sont là, dans leur poste. Mais tu dois tout faire pour te rapprocher du prince couronné. Et la reine aussi. Je suis sûr qu'elle est une très bonne femme. Oui, c'est une bonne femme. Et pour le prince, t'inquiète, j'ai un plan. Un plan. Un plan, vraiment? Oui. J'espère que c'est la bonne. Toudou, papa, apaise-toi. Tu ne fais pas confiance à ta fille. Tu ne sais pas ce que ta fille peut faire. Je sais de quoi tu es capable. Je suis capable de tout. Je te fais confiance. Juste calme-toi, papa. Prends soin de toi. Hein, ma chérie. Bye. Ma chérie. Il faut moi. Allons-nous-en. Un plan, oh mon Dieu. Ok. Retournons rapidement au palais. Amaka. Qui est-ce que je suis en train de voir? Sa Majesté, la Reine. En tout cas. C'était quoi ça? Les crapauds qui se croient plus grands que l'éléphant. Et pourtant, il fait partie des petits bestioles. Ruth, je n'ai aucun problème avec toi. Mon Dieu. Mais tu viens de m'insulter. Tu ne m'as pas seulement insulté, tu as insulté le trône de cette terre. Bien, je te réserve une visite pour cette insulte. Pas seulement pour toi-même, pour ta famille entière. Ta! Ferme-moi cette bouche, petite profiteuse, croqueuse d'or. Comment oses-tu? Ok. Bien. Amaka, nous nous reverrons, ok? Ok. Bonne journée. D'accord. Merci. Chauffeur, bougeons. Fiche-moi la paix. Ruth, tu dois faire beaucoup attention. Pourquoi est-ce que tu veux blaguer avec le trône? Laisse-moi te dire ceci, j'ai pas peur. Je ne sais pas qui tu es. Sache que je ne suis pas ici pour toi. Sois sage et reste loin de mon chemin. Ouvre la porte, c'est moi. Mon prince. C'est moi. Ouais, j'arrive. Oh.
Qui est là? Oh, c'est toi. Tu dormais? Oh, oh ouais, je sentais les maux de tête. J'ai décidé de me reposer. Oh ouais, comment tu vas? Je ne sais pas si je vais bien ou pas. Ce palais devient très ennuyant. Rien ne se passe. Oh, waouh! Allez, dis seulement que je te manque. Tu sais, j'aurais dû dire cela. Si tu as décidé, je n'allais pas venir. Elle m'avait demandé la permission d'aller dehors pour s'acheter je ne sais quoi. Alors? Donc, cela veut dire que nous sommes... Ça, c'est gentil de peur, n'est-ce pas? Ça, c'est... Je sais. Allez. Oh. Attends, s'il te plaît. Oh. Allez, tu m'avais vraiment manqué. Oh. Ah! As-tu besoin de moi ici? Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose qui est passé ici. Attends une minute. Mais je ne peux rien voir. Tu es descendu seul? C'est depuis quand? Et pourquoi dormir par terre? Gladys, parrain, tu vas bien? Je veux bien, ma reine, mais pourquoi tu boudes? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je vous en prie, pardonne-moi. Non. Je sais que tu ne vas pas bien. Tu ne peux pas me mentir. Dis-moi la vérité. Quelque chose te dérange? Je veux bien, ma reine, croyez-moi. D'accord, si tu l'es dit. Dans ce cas, tais-toi. Et plus de murmuration. Fais bien ton travail. Oui, ma reine. Fais-le bien. Je suis désolée, ma reine. Son Altesse. Oh. Son Altesse. Tu es Tochi, n'est-ce pas? Oui, Son Altesse. Je suis heureuse que tu te souviennes de mon nom. Pourquoi ne pas me souvenir de ton nom, madame? Tu es la troisième épouse de mon père et membre de la famille royale. Waouh, je suis flattée. Et je suis contente de te savoir ouvert envers moi. Ah, bien. Son Altesse. Ce serait trop te demander si j'étais invitée pour un dîner dans mon coin. Je veux faire un mets très spécial pour toi.
Je viendrai. Bien, disons que si j'ai le temps, je viendrai. Je serai très honorée de vous voir, Sa Majesté. On va voir ce que ça va donner. Merci. Es-tu en train de dire que c'est la première fois que tu puisses expérimenter ce genre de choses? Cela fait combien d'années que je t'ai épousée? As-tu déjà fait l'expérience? Non. Mais qu'est-ce qui peut être la raison? Et cette chose que j'avais vue dans les rêves, c'était dans la chambre quand je m'étais réveillée. Penses-tu qu'il y a quelque chose? Il n'y a rien dans ce rêve que tu as fait. Tu laisses ton imagination prendre le mauvais chemin. Oui, tu peux probablement avoir raison. Je n'ai jamais eu peur telle que je l'avais eue en rêve. Tu dois te réveiller. Mais qu'est-ce que tu racontes? Sérieux, je ne m'attendais pas à ça. Pas du tout. Ok, c'est bon. Vais-tu visiter le palais royal? Tu dis quoi? Non, tu ne peux pas. Ok, maintenant je t'ordonne, en tant que deuxième reine de ce royaume, de visiter le palais. Tiens, c'est clair, c'est toi qui me conduis aujourd'hui. Un instant, je te reviens. Es-tu sourde? J'ai dit que c'est toi qui me conduis aujourd'hui. Elle n'ira nulle part. Par l'instruction de qui? Par mon instruction. Moi, la reine Janet. Elle est ma servante et pas la tienne. Donc tu n'as pas le droit de l'envoyer où que ce soit. As-tu pigé? Si je me rappelle bien, on t'avait donné une servante et tu l'avais rejetée. Donc, prochainement, ne refais pas cette bêtise. Je dis que c'est toi qui me conduis aujourd'hui. Amène ton sale corps dans le véhicule avant que je ne te gifle maintenant. Désolée, ma reine, ma maîtresse a dit non. Et je ne peux pas la désobéir. Comment oses-tu? Qui est-elle pour s'opposer à mes ordres? Amène ton corps dans les véhicules. Es-tu folle? Est-ce que quelque chose ne va pas chez toi? Comment oses-tu gifler ma servante à ma présence? As-tu un problème avec la tête? Veux-tu mourir? Toi, femme de moins de valeur, tu oses me gifler? Et je vais te gifler encore, encore et encore! Hélène, qu'est-ce qui se passe ici? Janet, qu'est-ce qu'il y a? Ma reine, cette petite morveuse va sortir avec Clarisse. Je lui ai dit que ma servante ne peut se rendre je ne sais où avec elle. Et elle a giflé ma servante, et cela devant moi. Je me rappelle bien que tu lui avais donné une servante. Mais elle l'avait rejetée. Alors pourquoi veut-elle sortir avec ma servante? Est-elle folle? Jessica, est-ce que c'est vrai? Arrête-toi là! Ma reine, tu dois arrêter ça.
Tu dois t'occuper de ces problèmes le plus tôt possible. Parce que la prochaine fois qu'elle fera ses bêtises dans ses palais, je vais mettre ma royauté de côté et la remettre à sa place. Excuse-moi. Bienvenue, ma princesse. Bon après-midi, Chie. Bienvenue. Où est ta fille? Elle est à l'intérieur. Devrais-je l'appeler? Garde. Votre Altesse. Entre dans cette maison et amène-la ici dehors. Hein? Tout de suite, princesse. Dehors. Sors vite. Mais qui êtes-vous, hein? Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Ah, ah. Je vous en prie, ma reine. Arrête-toi là. Garde-le pour toi, sale cochonne. Maintenant, écoute-moi attentivement. Une grenouille et un crapaud peuvent avoir la même apparence. Mais un crapaud reste un crapaud. De même que la grenouille reste une grenouille. Comme tu peux voir, une chenille laide est finalement devenu un magnifique papillon. Je suis désolée, Che. Ta fille s'y m'a manqué de respect. Son comportement prouve combien elle est mal instruite. Elle n'est pas bien éduquée par ses parents. Garde. Ma reine. Rassure-toi de la frapper à ma satisfaction. Ok, ma reine. Ma reine. Je vous en prie. Je vous en prie. Non, non, laisse pas me toucher. Je vous en prie, pardonnez-la. Ne me touche pas. S'il vous plaît. Sale cochonne. S'il vous plaît, pardonnez-la. Jessica, c'est quoi ton problème? Pourquoi ce changement soudain dans ton comportement et dans ton caractère? Pourquoi tu es toujours au milieu de toutes les bagarres qui ont eu lieu depuis que tu es arrivée dans ce palais? Pourquoi c'est ainsi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Qu'est-ce qu'elle fait? Votre Majesté, ne sois pas séduit par ces larmes des crocodiles. Sa Majesté, j'ai cru que tu allais me protéger, m'aimer comme tu avais promis. Maintenant, tu les pousses à m'haïr puisque je suis la plus jeune d'entre elles. Tu n'as même pas voulu savoir ce qui s'est passé. Tu conclus directement en disant que je suis fautive. Tu sais que je t'aime. Tu ne m'aimes pas, Sa Majesté. Arrête de te tromper. Non, tu ne m'aimes pas. Désolée, Sa Majesté, je souhaite partir d'ici. Non. Pas jusque-là, votre Majesté. Pas jusque-là. Cette fille exagère. Non. Oh. Tu dois lui apprendre quelques bonnes manières. Oui, elle en a besoin. Bien sûr. J'espère que tu ne vas pas te laisser berner par ces larmes de crocodile. Je suis sûre qu'elle a planifié tout ceci pour ne pas recevoir la punition que tu lui réservais. As-tu vu comment est-ce que tu parlais? J'ai honte de toi, votre Majesté. Je ne peux plus tolérer ce genre de comportement ici. La prochaine fois qu'elle osera faire ça avec moi, je vais déposer cette chose et m'occuper d'elle. Ruth, tu continues à dormir? Ruth! Ah, qu'est-ce qui t'est arrivé?
Bonjour, papa. Bonjour, ma fille. Comment vas-tu? Je vais bien, monsieur. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'était Tochi. C'est cette fille-là qui lui a fait ça. Je t'avais averti d'arrêter de la provoquer. Tu sais bien qu'elle est dans les pouvoirs. Elle peut donc tout te faire. Oh, sais-tu ce qu'elle lui a fait pour provoquer une telle colère en elle? Oui, papa. C'est la faute de Ruth. C'est elle qui avait provoqué Tochi. Vraiment? Oui, papa. Ruth. J'espère que tu n'es pas fâchée contre moi. Tu m'as fait traîner ici. Depuis que je t'attendais. Bien, je suis désolé. C'est que je n'étais pas dans le palais le moment là. Tu m'as fait perdre le temps. Ainsi que le mets que j'avais fait pour toi. Et si je me rattrapais, c'est-à-dire on sort et passe un bon moment quelque part. Excuse-moi, mon prince. Ah. Est-ce que je peux te parler? Son Altesse, pouvons-nous aller maintenant? Madame, il y a des limites à tout. Ne refais plus jamais cette chose, sinon tu ne vas pas me reconnaître. Mon prince, est-ce que je peux te parler? Ok. Tu vois, je vais te voir. Et toi? Est-ce qu'on peut gagner le temps? Oh, définitivement, je tiendrai ma parole. Ok, merci. Je m'excuse pour ça. Je lui ai promis de lui faire un tour. Une promesse est une dette. Je te verrai à mon retour, ok? Son Altesse, n'est-ce pas que notre temps est arrivé? Ouais. On peut aller maintenant. Ok, merci. Mets-toi devant. Les folles, qu'est-ce qui vous fait marrer? À genoux. J'ai dit à genoux. Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne vais pas me répéter. À genoux avant que je ne vous étrangle. À genoux. Ce n'est pas toi que je pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu l'es puni? Écoute-toi, vieille folle. Reste loin de mon chemin. Hormis le fait que je sois reine de ce royaume, je suis aussi plus grande que ta mère. Elle ne t'a pas appris comment est-ce qu'on respecte les grandes personnes? Sarah, tu viens de faire la plus grande erreur de ta vie. Rien du tout, votre majesté. Nous ne lui avons rien fait. Pourquoi veut-elle vous punir? Elle nous a trouvés ici et directement nous a demandé de nous agenouiller, bien qu'on l'a salué. Rentrez dans votre travail. Merci, ma reine. Maman, je peux voir ta main? Qu'est-ce que tu viens de faire? Rien. J'ai seulement placé ma main. Où sent-il la douleur de ma mère?
Merci. Où est-ce que tu l'avais amené pour rentrer à la maison à cette heure de la nuit? Qu'est-ce que tu fais ici? Attends une seconde. Es-tu en train de me surveiller? Hein? J'espère que tu n'essayes pas de m'éduquer avec elle. T'abandonner? Allez, Jeannette, pour la cause de Dieu, toi et moi, on s'amuse. Et c'est ça, pas plus que ça. Ok? Ouais, tu es belle et tu es douce et tu me plais. D'accord? Mais tu ferais mieux de ne pas commencer à être jalouse. Tu es la femme de mon père. Et ce sera. Qu'est-ce que tu fais ici? Ton désir au sujet du trône et aux femmes de ton père s'écrit sur ton visage au point que tu ne sais faire autre chose puisque tu es tellement captivé dans ses sens. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux? T'es donné ce que tu aspires. Les trônes. Bonjour, Patrick. Patrick, il faut que tu arrêtes. Ce que tu essayes de faire, ce n'est pas toi qui es au contrôle. Paralytique. Si j'entends encore mon nom, de
tes lèvres, tu n'aimeras pas ce que je te ferai. Stupide. Le mal s'est emparé du palais. Mon prince, que pensez-vous que nous pouvons faire? Je dois aller voir le grand prêtre. Emmène-moi chez lui. À vos ordres, mon prince. Attends, attends, Red. Les gens risquent de nous voir. Allons dans la chambre. Trouvons-nous un endroit fermé. Les murs ont des oreilles. As-tu peur que quelqu'un puisse nous voir? À ce que je sache, un jour, je serai roi. Et je me souviendrai de ces jours. Ça, je sais. Mais cela n'empêche que nous puissions trouver un endroit plus confortable. Ça va. N'ose pas le faire, puisque ça ne s'arrêtera pas. Jamais. Écoute-moi, salope. Restez-moi. Je veux dire, prends ton sale corps, cette saleté puante, loin du prince Patrick. Il est à moi, et il restera bien à jamais. Ne me provoque pas. Oh, jamais, il ne veut pas le tien. T'es une voleuse. Tu veux assurer ton avenir dans la sournoiserie. Hein? Écoute-moi très attentivement. Tu ne me connais pas. Ou tu veux que nous nous exposons? Allez, exposons-nous puisque je suis prête à le faire. Non. Es-tu prête? Je ne suis pas une voleuse. Et comme toi. J'ai ce qu'on appelle la roue. Mais ne me provoque pas, parce que si tu me provoques, tu ne vas pas aimer ce que je te ferai. Tu vois la date d'aujourd'hui? Retiens-la, parce que tu vas regretter si tu me prends pas au sérieux. Oh, reine Latifa, tu n'oseras pas le faire. Je ne suis même pas capable de le faire. Infante en chef, tu ne le feras pas. Tu n'oseras pas le faire, nous le connaissons. Je ne vais pas faire l'échange de paroles avec toi, mais tu vas le regretter. Si tu ne prends pas mes avertissements. Ça ne s'arrêtera pas. Reine Latifa, mon œil, espèce de pétasse. Mon prince, je suis désolé. Je ne suis pas au courant de ton arrivée chez moi. Non, ça va. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Vas-y, pose ta question, mon prince. Quand tu regardes la famille royale, qu'est-ce que tu vois? La famille royale. La famille royale. Je vois le mal. Un mal de grande envergure. S'est emparé de tous les palais. Et toi, le gardien de la tradition, ne vois rien à propos de tout ça. Anayo. Mon prince,
Viens et ramène-moi au palais. Sans problème. Où étais-tu parti tout ce temps? Maman, est-ce que tu as vu le prince Patrick? Non, mais tu n'as pas encore répondu à ma question. Où étais-tu depuis le matin? Je ne faisais que te chercher. J'avais même appris que tu étais sortie du palais. Ma reine. Où étais-tu partie? J'étais occupée, maman. S'il te plaît, tu peux me donner à manger? Ok, j'appelle la servante. Son Altesse, n'as-tu pas remarqué ces histoires bizarres qui t'entourent et tu es endormi confortablement sur ça? Son Altesse, essaie de jeter un coup d'œil à la porte et tu le verras toi-même. Assure-toi que tu nettoies cette saleté. Est-ce que c'est compris? Qui a même mis ça? Votre Majesté, le prince Olichi a refusé qu'on puisse l'enlever. As-tu perdu la tête? Je te demande de nettoyer quelque chose et tu me dis, prince Olichi vous a dit quoi? Veux-tu que je te tue? Désolée, votre Majesté. Dépêche-toi pour nettoyer ça. Rassure-toi de le faire avec le détergent, bien propre. Au fait, rassure-toi que tu nettoies toute la maison avant d'aller au lit. Rassure-toi de bien faire ce travail. Majesté, vous allez bien? Vous avez fait un cauchemar? Un cauchemar? Oui. Non. N'as-tu pas vu quelque chose qui était passé? Ça n'a pas ouvert la porte? Je n'ai rien vu.
Qu'est-ce qui peut être à la base de sa mort? Elle était en vie la nuit? Qu'est-ce qui peut la tuer juste comme ça? Peu importe ce qui l'a tué, ça ne l'a pas seulement tué. Ça a aussi pris son âme en autant. Jeannette, est-ce que tu peux au moins respecter le mort? C'est parce que toi tu le fais. Le fais-tu? La vérité est que tu n'arrives pas à rester calme dans ton coin sans que tu n'interfères dans les affaires qui ne te regardent pas. Espèce de folle. Tu me qualifies de folle, Jeannette. C'est ce que tu es. Jeannette, tu es une idiote. Tu es une folle. Tu es vraiment éhontée pour te rabaisser comme tu le fais. Tu n'as pas de cerveau, espèce de villageoise. La prochaine fois que tu m'interromperas, je te ferai la peau. Regardez-moi ce produit fini qui parle. Toi, tu oses m'insulter. Tu es vraiment une folle. Voyez-moi cette sale chose qui est très bien. Sais-tu qui tu es? Tu es une misérable villageoise. Et toi, qui es-tu? Tu n'appartiens pas à la royauté. Et qui es-tu? Tu ne connais rien du tout de la royauté. Tu n'es qu'une folle qu'on a ramassée voilà dans la rue. Voilà pourquoi tu es perdue parce que tu n'es pas faite pour la royauté. Folle. Oh, insensée. Oh. Ce palais est en train de disparaître. Je parle et tu parles en même temps. Espèce de folle. Qui es-tu? Folle. Tu es vraiment stupide. Père, je ne sais pas si tu auras le temps aujourd'hui. Je veux que vous me suiviez au palais. Comme ça, vous allez au moins comprendre tout ce que je vous ai dit. Le palais est dominé par un esprit étranger. Il s'est totalement installé. Le palais est dans le feu. Père, nous demandons de l'aide. Bien, vous auriez juste pu envoyer quelqu'un pour ça. Mais ce n'est pas si grave. Juste, laissez-moi trouver ma Bible et d'autres choses comme ça, nous allons partir. Merci, Père. Je vais t'attendre. Je vous en prie, attendez-moi. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que c'est? Prince Patrick. Quand est-ce que tu vas mourir? Quand est-ce que tu vas mourir et laisser ce trône pour moi? N'es-tu pas resté en vie trop longtemps? Mon prince, arrête ça! Ne parle pas à sa majesté de cette manière! Oh non, si j'entends encore ta voix, je couperai ta langue et la donnerai au vautour. Mais n'en parle à ton roi. Dis-lui que la nouvelle aura survécu tous. Assez! Pour cette bêtise. Garde, arrête-le. Ma reine. Le prince a fait une crise. Il est inconscient. Le prince? Oui. Mon fils? Il a fait une crise en essayant d'affronter le roi. Je ne sais pas, mais vous devez aller le voir. Premièrement, c'était une chose mystérieuse qui s'est passée ici au palais. Et maintenant, mon fils? Oh non! N'ayez crainte, votre altesse. Rien ne va lui arriver aussi longtemps que Dieu est sur son trône. Je vous prie, conduisez-moi à lui. Allez, ok, d'accord. Venez, c'est par là. Ma reine. Oh.
Sa température n'est pas normale. C'est très élevé. Où est votre second fils? Vous voulez dire Prince Inochi? Exact. Où est-il? Il doit être quelque part dans le palais. Vous voulez que j'envoie l'une des servantes aller le chercher? Non, je vais aller à lui. Et son corps? Sa température est très élevée. Je ne veux pas qu'une chose arrive à mon fils. Vous deux devrez venir avec moi, Vos Majestés. Mais père... Et lui? Allons-y. Toi, qui es-tu? Père, c'est ma quatrième épouse. Ce n'est pas à vous que j'ai demandé, Majesté. Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ce corps? Révèle-toi, âme impure! N'interfère pas dans mes affaires, dans la méchanceté qui bat son plein dans cette famille royale. Toi, esprit impur provenant de l'enfer, tu as commis une erreur en choisissant la mauvaise famille. Aujourd'hui, je te chasse au nom de Jésus. Je chasse tous tes pouvoirs très loin de cette famille. Quitte ce corps au nom de Jésus. Perds tes pouvoirs. Perds tes pouvoirs. Perds tes pouvoirs au nom de Jésus. Perds tes pouvoirs au nom de Jésus. Perds tes pouvoirs. Perds tes pouvoirs au nom de Jésus. Avant que je ne te libère de ce corps, qui es-tu et qu'est-ce que tu cherches dans cette famille? Quand un enfant cherche à faire justice à ce qui est au sien, quand elle venge en sorcière, ils ont tout pris de moi. Je vais venger ma mort avec la honte et des larmes incessantes. Votre Majesté, vous avez envoyé me chercher. Oui. Je suis au courant de la façon dont mon mari venait à peine de te chercher. Et je ne peux pas te chasser. Mais tu dois te rassurer que tu n'as aucune affaire avec lui. Parce que si tu oses, tu vas regretter d'être venu dans ce palais. Je ferai exactement ce que vous avez dit, Votre Majesté. Je suis ici juste pour servir et gagner de l'argent pour sauver ma mère qui est malade. Je promets de ne pas vous décevoir.
comme tu as promis. Retiens tes paroles. Et je prendrai soin de toi. Merci, Votre Majesté. Tu peux partir. Merci, Votre Majesté. Oh, Malicha. Oui. Sa Majesté a dit que tu as tortionné sa chambre. Sa chambre? Mais je crois que Ngozi avait fait ça, non? Mais pourquoi il me demande encore de le faire? Je ne t'ai pas demandé. J'ai pas juste le message de Sa Majesté. Tu peux aller lui demander toi-même. Mais pourquoi la chambre du roi est aussi désordonnée? N'est-ce pas que Ngozi était censé dresser ses lits? Cette fille est vraiment terrible, hein? Jeune fille. Votre Majesté. Tu as seulement une option. Essaie de te déshabiller et te coucher respectueusement dans ce lit. Votre Majesté. Je ne te ferai aucun mal. S'il vous plaît, je n'ai pas encore fait ça. Je n'ai pas encore connu un homme, s'il vous plaît. Je vous en prie, pardon. Non, Votre Majesté, s'il vous plaît, ne le faites pas. Épargnez-moi, je vous en prie, pardon. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il te plaît, tu dois arrêter de pleurer. Tu dois te ressaisir. Nous avons toutes la même expérience, tu vois. Oui, il s'est passé la même chose avec moi. Bien sûr. Le pire est que nous n'avons rien à faire à propos. C'est notre faiblesse. Il est le roi. Il peut faire tout ce qu'il veut. S'il te plaît, arrête de pleurer. Libéré, nous avons connu la même chose dans ces palais. C'est juste qu'on ne te l'avait pas dit. Moi aussi, ça ne me plaît pas. Mais s'il te plaît, essuie tes larmes et continue ta vie. C'est tout ce que tu peux faire, monsieur. Suis-tu là? Arrête de pleurer. Oh mon Dieu. Combien plus encore, Votre Majesté, vas-tu déshonorer avant que tu ne puisses arrêter? Combien plus de servantes dont tu vas détruire la vie avant que tu ne puisses vraiment arrêter? Mais une chose est certaine, leurs larmes et leurs douleurs sont avec les dieux. Si tu me parles encore de cette manière, je vais te renier. Qu'est-ce qui t'a donné le courage? J'ai constaté quelque chose ces derniers temps.
Tu es toujours faible et malade. Chaque jour. Mais j'irai droit au but. Es-tu enceinte et qui en est l'auteur? Votre Majesté, je ne suis pas grosse. Tu n'es pas enceinte? Oui, Votre Majesté. Ok. Va à l'intérieur, je t'envoie un docteur. Oui, Votre Majesté. Salutations, Votre Majesté. Les résultats sont déjà prêts? Exact, les résultats sont prêts. Elle est enceinte de 3 semaines. Va et dégage-moi cette histoire. C'est ce jour-là que j'étais morte. Rien n'a été fait dans ce sens. Ils ont continué à faire leur vie. J'ai fini ma vie avec beaucoup de douleur. Sachant la manière dont les choses se sont finies, c'est pourquoi je me suis décidée de venger ma mort. Le prince Patrick ne couchait pas seulement avec les servantes, mais avec des femmes aussi. Cette famille est maudite et cette malédiction doit agir jusqu'à la fin des temps. Je te chasse maintenant, oui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Hey! Abomination! Prince Itochi, je suis désolé d'être venu en retard. Mais à Dieu soit la gloire. Ouais, Pascal, tout marche bien. En fait, le manoir est l'un des meilleurs dans le village. C'est juste quelques finitions que nous allons faire. Donc, donne-nous juste 2 mois. Tout sera fini. Non. Tout marche bien. Tout le monde va bien. Mon gars, au Diego Ier, au Dogwanayese, Pascal, Pascal. J'ai hâte de te voir, frérot. J'ai hâte de te voir. Pascal, t'inquiète, tout va bien. Crois-moi, c'est un bon manoir. D'accord.
Vraiment, tu as fait un très bon travail. Je connais ton goût. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, tu es un meilleur ami. Waouh! Oh, merci beaucoup. Merci, mon cher. Waouh! C'est beau, n'est-ce pas? Désormais, c'est ma maison. C'est ta maison. Oh, je suis très heureux. Le travail à ce niveau n'est pas encore achevé, donc on est toujours sur ça. Waouh! Oui. Maintenant, on va aller à l'intérieur et tu vas voir. Waouh! Ça, c'est très merveilleux. En tout cas, ça, c'est ma maison. Agumba. Agumba. Il y a un dicton de chez nous qui dit que quand un adulte décide de mourir, il ne perçoit plus l'odeur de tout ce qui l'entoure. Oui, Agumba. Il est temps pour toi, cette mouche têtue, d'accompagner le corps jusqu'à son dernier demeure. Selon notre coutume et notre tradition de notre terre, du royaume antique d'Amiké, toi et ta famille avez défié cette terre et avez commis un grand sacrilège. Tu ne seras plus notre roi. Quoi? Quoi? Le manteau de la royauté doit aller à la famille suivante, comme le demande notre coutume. Quoi? Toi et toute ta famille, vous êtes bannis. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Non! C'est triste ça. Non. Sauf Ilochi. Jessica, tu peux maintenant retourner dans ta famille et vivre une vie paisible. Comment le Tout-Puissant s'est écroulé? Agumba, tu as juste 4 semaines de marché, de quitter ce royaume. J'ai exprimé l'esprit et les demandes des dieux. Non, 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 non. Votre Majesté, vous devez faire quelque chose. Faites quelque chose. Le grand peuple du royaume antique d'Amiké. J'accepte mon sort. Quoi? Et je veux dire que je suis désolé pour ce que j'ai blessé. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Oh mon Dieu! Non! Vous ne pouvez donc pas faire ça! Hey, mon Dieu, je suis fini. Vivons ensemble pour un nouveau succès et une nouvelle vie. Oui. Tu t'es vraiment battu. Oh non! Chef de notre terre, soyez les bienvenus dans ma nouvelle maison. Oui, merci. Aïe! Tu nous as vraiment surpris. À Dieu soit la gloire. Mais attends, ton ami là ne nous a pas dit que c'est pour toi qu'il construisait cette maison. Tu n'en sens, c'est un bon ami. Je lui avais dit de le garder secret. Et il a exactement fait comme je l'avais souhaité. Je voulais que ça soit une surprise, même pour vous aussi. Estime-toi heureux. J'aurais pu... Pascal, je sais que notre venue ici te serait une surprise. Si je dis que je ne suis pas surpris, alors je suis un menteur. Parce que je le savais. Depuis que je suis né dans cette communauté, je n'ai jamais vu Ono ou bien le chef de village dans ma maison avant. Bon, peut-être que vous êtes venu célébrer avec moi dans ma nouvelle maison. Pascal, en dehors de ça, j'espère que tu es au courant de tout ce qui se passe présentement dans notre royaume concernant Agumba et sa famille et le bannissement. Et selon nos coutumes et traditions, la famille suivante doit produire le suivant.
prochain roi, n'est-ce pas? Bien sûr, tu as raison. C'est le prochain sur le trône. Oui. Maintenant, et si tu le vérifies par mérite, tu es le premier fils de cette famille que tu as hérité de ton père. Et selon nos coutumes, ta famille est la suivante à produire le prochain Igui. Et du coup, c'est oui. Toi. Oui, c'est la ça, loi. Oui. Bon, attendez. Je deviens un peu confus là. Vous essayez donc de dire que la royauté de cette terre revient donc à ma famille, non seulement à ma famille, mais je suis aussi choisi comme le prochain roi de cette communauté. Pascal, personne ne t'a choisi. D'où les dieux. C'est selon les coutumes et traditions de notre terre. Tu es le prochain Igwe du royaume d'Amérique. Tu as raison, Ono. Oui, c'est ça. Comme Ono a dit. En tout cas, ce monde ne cesse de m'étonner. Mais écoutez, je suis désolé de vous décevoir. Je suis revenu ici pour visiter mon appartement. Et par la même occasion, profiter de rendre visite aux personnes que j'ai vues il y a plusieurs mois. Savez-vous les affaires dans lesquelles j'ai investi là-bas en ville? Et vous attendez que moi, Pascal Ezebunafo, revenir dans ce village pour devenir roi? Et c'est quoi le sort de mes affaires là-bas en ville? Qui va représenter toutes mes affaires là-bas en ville? Je ne suis pas intéressé, s'il vous plaît, cherchez une autre famille. J'ai tout dit. Écoute-moi, mon frère, Ono. Il doit comprendre que ceci est ce qu'ont voulu les dieux de cette terre. Ce n'est pas du hasard. Laisse-moi te demander, Patrick. Ouais, tes affaires bougent bien. Mais pourquoi tu as choisi de retourner au royaume d'Améke en ce moment particulier? Pourquoi? Les dieux sont sages. C'est ça. Ils t'ont choisi. Ils t'ont toujours protégé. Ils ont décidé de te faire revenir maintenant. Ah, oui. Parce que nous avons besoin de toi. Pensez-y. Oh, non. Mes chefs, je fais quelques concertations et j'en ai tiré quelques conclusions. J'ai accepté de devenir roi, mais à une seule condition. J'essaierai donc de temps en temps entre la ville et ici le village à cause de mes affaires. Pascal, je dois te féliciter pour avoir bien réfléchi. Moi, Ono et Mbichi sommes toujours disponibles. Exact. La distance ne sera pas un problème. Oui, c'est justement en ça. En tout cas, il n'y a pas de problème. Merci, Ono. Merci, mes chefs. Je promets de visiter le village une fois après 2 semaines. Oh, une bonne chose. Mais aussi avec un cabinet intelligent comme vous. Je ne crois pas qu'il n'y aura de problème. Ah, non, aucun problème, pas de problème. Ça, c'est vraiment un appel de mon peuple. Et je n'ai donc pas d'autre choix que de l'accepter. Aïe. Oh non. Est-ce qu'il y aura des problèmes? Il n'y a pas de problème. Donc, il n'y aura pas de problème. Il n'y a aucun problème du tout. Pas du tout. Il n'y a vraiment aucun problème. Merci beaucoup. Tu as bien fait. Et tu as encore prouvé que réellement tu es le fils de ce sol. Bam. Dans ce cas, laisse-moi te dire, tu dois commencer à t'apprêter. Oui. Hein? Tu vois, tes amis billionnaires que tu as en ville, tu dois commencer à les inviter. Oui, c'est ça. Parce qu'il fait rien, mais... Ça arrivera. ton couronnement, c'est bientôt. Très bientôt. Hein? Vraiment, merci beaucoup. Merci, mes chefs. Rien. Merci, Ono. Ça va. Oh, monsieur, salut. Tochi. Monsieur. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue vous voir, monsieur. Je pense que tu es chassé de ce village. Oui,
Ils nous ont donné un délai de 4 jours. Il me reste encore 2 jours. C'est pourquoi je me suis décidée de venir vous voir et parler avec vous. C'est donc ça. Mets-toi. Oui, mets-toi. Mets-toi même de l'autre côté. Merci. Bon, Tochi. Monsieur. Quelle bonne nouvelle de ta part. Premièrement, j'apprécie votre maison, c'est très magnifique. Merci. Dieu vous a réellement béni. À Dieu soit la gloire. J'ai jugé bon vous chercher pour vous présenter mes excuses pour tout ce que je vous ai fait dans le passé. Je suis vraiment désolée. J'ai appris que vous êtes choisi comme le roi de notre terre. Alors, si vous pouvez me faire une mesure de grâce en m'acceptant encore dans ta vie, si possible d'être cette reine à côté de toi dans ce royaume. Et tant que le prochain roi de ce royaume, je sais que tu as de l'expérience qu'il faut et je crois que tu seras en mesure de diriger ce royaume avec succès. Dans l'idée de ces dictons qui dit que derrière un grand homme, il y a une femme. Et crois-moi que je serai cette femme forte qui va te soutenir ensemble. Nous allons diriger ce royaume comme il faut. Si tu peux m'accepter encore dans ta vie. S'il te plaît, chérie, je t'en prie. Waouh! Ça, c'est vraiment un bel exposé. Oui, tu sais, Tochi, j'ai toujours admiré les ailes et la détermination que tu as pour réussir dans la vie. Mais tu avais choisi d'être reine et de vivre ta vie tranquillement. Moi, je l'ai pressenté et tu le sais. Mais voilà la suite. Ça, c'est vrai. D'accord, d'accord. Mais attends une minute. Chikao dit... Chika! Oui, chérie. Oui, bébé. Tochi, je te présente Chika Odi, ma femme. Et la prochaine reine de cette terre. Quoi? Non, ne fais pas ça. Pascal! Chika non, Odi. Pascal, non. Tochi. C'est pas vrai. La Pascal, fille dont je t'ai non. parlé. Oh. Tochi, merci de m'avoir aidé, Pascal. C'est un bon homme. Et sans toi, je n'allais pas le rencontrer. Alors merci beaucoup. Hé, s'il te plaît, pas ici. Ne tombe pas ici. Bébé. Tu n'as que 2 jours pour quitter cette ville. Hein? Repose-toi bien. Après tes émotions, tu pars. Chérie, allons à l'intérieur.